Tania, premier match à Chamalières pour ouvrir la saison, ça s'est plutôt bien passé. Oui, je pense que malgré le premier set qu'on a perdu, c'était quand même un beau set, je trouve. On s'est battu, Chamalières, ils n'ont pas laissé faire. Donc, je me suis attendue à quand même un bon match, mais à la fin, je suis contente du résultat. 3-1. Allez, next. Quelles ont été les clés pour aller chercher cette victoire? Ben, je pense que en fait, l'esprit d'équipe et l'envie. C'est vraiment, même en deuxième set, on a mal commencé et franchement, à partir de milieu de set, j'ai trouvé une autre équipe qui avait juste envie de gagner et qui a plus réfléchi. Donc voilà, l'envie de gagner. Il va falloir vite enchaîner avec les prochains matchs à la maison. C'est ça, ça va pas être... Qu'est-ce que tu pourrais dire au public là pour nous venir nous voir? Ouais, ça va pas être facile pour nous parce qu'on enchaîne des matchs, mais je suis sûre qu'avec notre public en or, ça va être phénoménal et j'ai envie de tout le monde. Parce qu'on a vraiment besoin d'encouragement. Ça va être un bon match contre Paris et j'attends plein de monde et j'attends que la salle elle sera pleine. Bravo Sania, merci. Merci. Cyril, premier match de la saison et une première victoire avec 3 points. Ouais, difficile, hyper difficile. On n'avait pas trop de repères puisqu'on n'a joué qu'une fois avec Ali à la pointe puisque Taylor a encore en délicatesse avec sa petite blessure. Donc on n'a pas voulu prendre de risques et... Voilà, et puis c'était vraiment le premier match à tension pour Hope aussi, donc je pense que tout ajouté, plus une équipe de Chamalières qui a joué sans pression, voilà, c'était compliqué pendant 3 sets. On a été malmené, voire dominé, mais on a réussi à revenir dans le match, notamment dans le deuxième, où je crois qu'on est mené 14-8, un truc comme ça. Et on arrive à gagner 25-23, 26-24, donc voilà, mais... satisfait, même si bon, à la fin ça a lâché en face, mais nous on a été beaucoup mieux et voilà, c'est une victoire du groupe parce que tout le monde a apporté quelque chose. Pas trop le temps de savourer, malheureusement, on va devoir enchaîner dès mardi avec la réception de Paris. Ouais, ouais. Comment on va devoir gérer Déjà, je crois qu'ils vont jouer 5-7, donc déjà c'est plutôt pas mal. Mais non, on va travailler cette nuit et demain et dans la nuit de dimanche à lundi, voire lundi à mardi pour préparer ce match-là. On a très peu d'infos sur cette équipe-là. On connaît les joueuses puisque Kaïssa, qui est la passeuse, était chez nous, on la connaît bien. Mais voilà, c'est une équipe qui a l'air difficile à manœuvrer, qui a l'air bien construite. Donc voilà, nous, on ne sait pas encore si on va récupérer Taylor Mims. Donc on verra, on va travailler, puis on verra ce que ça donne mardi à Mangin. Un petit mot pour inciter les fans des Neptunes Nantes-Volley à venir nous soutenir. Voilà, je crois qu'on a deux matchs hyper difficiles, Paris et Nancy, les deux premiers matchs de la saison à domicile. Alors, il faut que la salle soit la plus remplie et que nos fans nous supportent encore comme ce fut les saisons précédentes. Parce qu'on va avoir besoin de soutien et... Voilà, on a laissé beaucoup d'énergie mentale ce soir et il faut qu'on récupère, mais voilà, si la salle est pleine, ce sera encore plus facile. Bravo Cyril, merci. Merci.